Bonjour les filles, donc je vous retrouve, je viens de faire une vidéo sur comment faire son dégradé. Donc c'est ce que je viens de faire là, si ça vous intéresse je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mets ici. Et donc cette vidéo-ci va porter sur comment se désépaissir et effiler en fait ses cheveux. Les coiffeuses vont me dire que c'est pas la même chose. Effectivement, désépaissir des cheveux et effiler c'est pas pareil. Mais bon, ça revient un petit peu au même, enfin comment dire, le geste est grosso modo le même, donc c'est pour ça que je regroupe tout dans la même vidéo, parce que pour celles qui ne sont pas coiffeuses, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, comme je vous disais dans la première vidéo, il va vous falloir un gros peigne, comme ça, avec des grandes dents, et des ciseaux qu'on appelle sculpteurs. Voilà. Hop, ensuite, ça peut être pratique d'avoir une pince, voire deux, voire trois. Voilà, donc allons-y. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous faire une raie au milieu là, pointer le bout de votre peigne au bout de votre raie et descendre jusque dans la nuque. Donc ensuite, on sépare les deux côtés, on va en attacher un pour être tranquille. Hop. Et ensuite, vous allez vous faire des raies à peu près de 3-4 cm. Toujours en partant du haut. Donc hop. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Je suis dans le champ. Oui. J'espère que vous voyez à peu près la brosseur qu'il vous faut. Si vous avez les cheveux très très fins, comment dire, passez la case des épaississements, parce que sinon vous allez vous retrouver avec plus un poil sur le caillou. Ça va être super. Vous allez être désespéré. Donc ensuite, une fois que vous avez votre petite bande, vous allez la couper en deux, comme ceci. Et donc là, il faudrait encore une pince, sauf que je n'en ai pas, donc je prends une petite pince micro-rikiki. Hop là, donc on va avoir juste la bande du bas. Vous allez bien la tendre sur le côté. Hop. Et la choper entre votre index et votre majeur. Et appuyez bien fortement, tout en pas. Si vous appuyez pas assez fortement, en fait, votre bande, vos cheveux, ils vont pas être lissés, tous bien bien lissés, donc ça va pas être très propre comme résultat. Donc hop, on tire bien. On prend ces ciseaux sculpteurs. Hop, voilà. Et en fait, c'est pas compliqué. Si vous avez vraiment énormément de cheveux, désépaississez beaucoup. Si vous avez juste un petit peu de cheveux, que vous voulez juste un tout petit peu désépaissir, couper deux fois, je pense que ça devrait être suffisant. Hop là. Donc ensuite vous pouvez aussi faire comme ceci. C'est plus doux comme méthode. Ça permet d'avoir comment dire, de pas avoir de grandes marques de coupure. Donc comme je vous disais, là c'est la mèche de dessous, donc c'est moins grave. En fait sur celle de dessus je fais un peu plus attention, mais voilà. Hop là. Hop là. Donc moi je désépaissis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux. Hop là. Donc une fois que j'ai fini ma petite mèche du bas, je vais récupérer celle qui était en haut. Et je vais faire pareil. Donc allons-y. Je tire bien ma mèche. Et comme là je suis au-dessus, je vais faire super attention à ne pas me faire des grosses. Vous faites comme ceci au fur et à mesure que vous descendez. Alors surtout, celles qui ne sont pas coiffeuses, ne faites pas ça si vous avez des ciseaux droits. Parce que ça existe cette technique avec des ciseaux droits. Mais si vous ne savez pas maîtriser les ciseaux droits, vous allez vous retrouver ratiboisé du cheveu. Donc évitez vraiment. Voilà. Ce que je vais faire aussi, je vais enlever juste cette partie-là qui sera par-dessus. Je vais vous montrer une autre technique. Hop. On peut tout à fait tenir bien votre mèche bien main droite et dedans faites des petits coupes comme ça. Ça va enlever un peu plus de cheveux. Et pareil, comme c'est dessous, en fait ça se verra moins. Hop là, ça c'est vraiment si vous avez la maxi touffe quoi. Hop. Et donc je vais finir comme ça. Oups. Voilà. Et donc je sais pas si ça se remarque, si ça se voit à la caméra là. Mais
Enfin, moi là, je sens que j'ai mes deux fois moins de cheveux, quoi. Et ça va être trop trop bien pour mon brushing, je vais y passer deux fois moins de temps. Hop là. Donc, dans l'absolu, on touche jamais à ce qui est dessus. On les filera au bout. Mais on ne désépaissit pas ce qui est dessus, en fait. Voilà, moi juste habitué là, donc après, voilà. Donc une fois que vous avez fini votre petit bandeau là, bah vous faites pareil. Donc vous refaites un autre petit bandeau, donc par exemple ça. Voilà, hop. Vous mettez cette partie là dans votre petite pince. On ne cache pas les yeux, sinon on ne voit rien. Et ce que vous venez de faire, mettez-le dans la pince pour pas que ça vous gêne. Parce que désépaissir, c'est bien, mais si vous désépaississez vraiment de trop, vous n'allez plus rien avoir. Vous allez avoir aux racines, il y aura plein de volume parce qu'on désépaississe. Ah oui, mettez pas des coups de ciseaux à la racine, hein, ça va pas être génial. Commencez à environ un tiers, la moitié des cheveux. Vous allez avoir pas mal de volume là. Et après, vous allez avoir plein de petites filaments. Enfin, ça va être trop, ça va être pas très joli, donc... On y va doucement, enfin je veux dire, le but du jeu c'est qu'il faut qu'il vous reste un petit peu de cheveux quand même à la sortie. Donc hop, pareil que tout à l'heure, on sépare en deux. En fait, de séparer en deux, ça permet d'être plus précis. Et puis là, j'ai bien assez de cheveux dans la main, vous voyez. Donc pareil, hop, j'ouvre, je referme, j'ouvre, je referme, hop. Vous voyez tout ce que j'ai enlevé sur... Ouais, il y avait peut-être que ça, on va dire, sur une mèche, quoi. Hop là. Après, on peigne bien pour enlever tous les cheveux qu'on vient de désépaissir. Vous voyez, je sais pas si ça se voit vraiment, mais c'est vraiment plus fin, quoi. Dessus. Donc, on enlève la petite partie qui va être pile dessus. Hop. On prend celle-ci. Et elle... Hop là, voilà, on va faire comme ça. Ça paraît barbare, hein. La première fois que j'ai fait ça, une copine, en plus elle était amoureuse de ses cheveux, ça se dit pas, mais si elle était amoureuse de ses cheveux, c'était vraiment toute sa vie ses cheveux, et elle était là, oh mes cheveux, en plus j'avais fait ça au rasoir, et au rasoir en fait les cheveux volent encore plus qu'avec un ciseau sculpteur. Moi ça m'avait fait rire parce que je savais très bien qu'elle aurait encore des cheveux à la sortie, qu'elle allait être contente. Mais ouais, c'est vrai que c'est super spectaculaire, quoi. Donc là j'ai fini cette partie là, donc je vais la mettre dans ma pince. Alors hop, on va enlever la frange pour pas qu'elle me gêne. Voilà, la petite partie de dessus. Hop. Et donc je vais prendre ce qui me restait. Et alors pour ici, hop, je vais faire comme ça. Je vais mettre mes ciseaux pratiquement à la verticale. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est en ça que je disais que le désépaississage c'est un peu pareil que l'effilage, parce que là c'est grosso modo de l'effilage que je fais, mais en beaucoup plus, avec une beaucoup plus grande ampleur. Donc ça va faire les deux en même temps, tout bêtement. Par contre là, ça va pas l'avoir fait assez. Donc je vais faire ça et ça. Hop. Voilà, donc je vais pas vous filmer l'autre côté, parce que je pense que vous avez à peu près compris. On va reprendre tout ça. Et je vais regarder, comment dire, si le boom, s'il y a des endroits où le boom paraît plus épais en fait. Ça va aller en s'amenuisant, normal. Et des fois, en fait, il faut rajouter un tout petit peu d'effilé au bout, parce qu'il est quand même un petit peu plus épais. Donc je vais regarder si c'est le cas. Donc je peigne. Et ici, là, c'est encore un peu trop épais pour moi. Donc pour effiler, c'est pas bien dur, vous faites ça. Vous prenez vos ciseaux, vous les mettez à la verticale. Vous savez, je regarde ce que je fais. Et hop, comme je vous ai montré pour le côté à l'instant, vous donnez des tout petits coups de ciseaux comme ça, mais juste au bout. Hop là. Hop là, et après donc vous peignez pour bien enlever les cheveux. On va prendre cette partie là qui m'avait l'air un peu droite. Et donc pareil.
Alors, je sais pas si vous pouvez voir la différence là, au fur et à mesure que je coupe. Vous voyez, ça fait déjà plus plumpty en fait. Avant, c'était beaucoup plus marqué. Donc si vous aimez le marqué, faites pas ça. Mais si vous aimez bien quand c'est bien effilé, voici la technique. Et donc bah là, écoutez, peut-être un peu là, il y a des grosseurs. En fait, ça se sent là. Si vous faites ça, vous allez... Là, par exemple, je sens que là, il y a des lourdeurs. Mais c'est un peu difficile sinon de... C'est pas mal de feeling aussi la coiffure quand même, donc je peux vous faire un tuto mais je peux pas tout vous dire au cas par cas, c'est un peu compliqué. Voilà, hop là. Donc là je peigne bien pour bien tout enlever, ensuite on fait comme ça. Et voilà, vous avez votre dégradé effilé. Donc je vais aller faire l'autre côté. Et puis bah, je reviendrai pour vous finir la vidéo. Voilà les filles, ça y est, j'ai fait le deuxième côté. Donc en fait, une fois que vous avez fait ça, il va falloir quand même checker que les deux côtés ont été effilés de la même manière. Donc pour ce faire, vous allez passer la main dans vos cheveux. Vous allez bien sentir s'il y a un côté qui est plus épais que l'autre. Et ensuite, vous devez bien lisser vos cheveux, comme je vous disais tout à l'heure, en faisant comme ça. Et bien vérifier que la longueur est la même. Donc moi, c'est bon, là je viens de vérifier. Pareil ici, pareil au milieu. Oups. Vous voyez, c'est pareil. Donc, comme vous pouvez le remarquer, comme j'ai énormément effilé, ça coupe quand même. Comme j'ai énormément désépaissi, ça coupe quand même des ciseaux sculpteurs. Donc, ça m'a un tout petit peu raccourci le dégradé que j'avais fait au départ. Donc, il faut quand même le savoir, parce que sinon, vous risquez d'être déçu, de vous dire c'est trop court. Il faut quand même que vous prévoyez qu'il va y avoir entre 2 et 5 cm de perte au moment du désépaississage. On va dire entre 1 et 5, suivant s'il est très léger ou complètement intensif, comme moi j'ai fait intensif, parce que en plus je le fais une fois tous les ans, donc c'est vrai que quand je le fais, bah, je le fais à fond la caisse. Donc bah, écoutez, ouais, il faut juste penser à ce petit détail. Voilà, je crois que c'est terminé. Si vous voulez savoir comment vous effilez la frange, c'est pareil, c'est pas compliqué. Ça fait un petit moment déjà que j'avais déjà fait une vidéo, donc je vais vous mettre le lien à tout hasard. Et puis bah, sinon, écoutez, je vois pas d'autre ce que je pourrais. Sinon, je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre comme info particulière. Ouais, non, je crois que c'est tout en fait. Il faut vraiment... Vous voyez, on voit quand même que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus... plus léger, ouais. Bah écoutez, les filles, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile, surtout. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Et puis, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les filles, bye bye.